la couper, je peux me tromper. Le lien, il est là. Il me parle. Le bruit de la ville est si proche. Les baisers sur le corps font pleurer. À travers les persiennes, le soir est arrivé. Le petit frère est mort. De cette beauté. Hélène Lagonel. Déshonorer les gens. Les abat-jours en tôle verte. L'impatience, la colère. Lorsque l'heure du départ approchait, le bateau lançait trois coups de sirène très longs, d'une force terrible, et s'entendait dans toute la ville et du côté du port du ciel, devenait noir. Les mers. Avec ce tremblement, tout à coup, elle avait retrouvé l'accent de la Chine. Je ne sais pas, il répète. C'est un compartiment, il a acheté la robe. Nous nous regardons, je l'ai vu. Le bruit de la ville que j'attendais à travers les persiennes. Nous allons pendant tout le temps. Mes frères, à la source non plus, le petit frère est mort. Non seulement aucune fête n'est célébrée dans notre famille, pas d'arbre de Noël, aucun mouchoir brodé, aucune fleur jamais, mais aucun mort non plus, aucune sépulture, aucune mémoire. Elle seule, le frère aîné, restera un assassin. Le petit frère mourra de ce frère. Moi, je suis partie, je me suis arrachée. Jusqu'à sa mort, le frère aîné l'a eu pour lui seul. À cette époque-là, le chemin de l'image derrière le mur, ma mère, la surveillante, Hélène Lagonel. De quoi en mourir? Pendant un an, nous nous sommes revus. C'est une des longues avenues. Tard dans ma vie, à côté d'elle, la dame, on l'appelait. La dame vient, la mère, de temps en temps, mystérieusement, il n'en parle plus jamais. Il la regarde, il la prend. On s'était trompé. Pour le petit frère, le vent autour d'elle, peut-être.